Quand je regarde cette pièce, je regarde l'Alsace de 2010. L'année où elle a été frappée par la monnaie de Paris. Et je me disais que rien ne changerait. Mais je me trompais, car 2014 est arrivé, et avec elle, la réforme territoriale. Cette histoire, vous la connaissez, vous l'avez lue dans les journaux, vous l'avez vue sur Internet. Vous l'avez vu à la télévision. Mais qu'en savez-vous vraiment? La plupart du temps, vous n'avez eu droit qu'à la partie spectaculaire, celle que l'on montre dans les médias. Je vous propose d'aller plus loin et de voir ensemble l'évolution de la loi dans le temps. Ensuite, nous parlerons de ce qu'elle nous apportera culturellement, politiquement et économiquement. Puis, parce que c'est quand même le thème principal de la chaîne, nous allons quand même parler du rôle qu'a eu l'Alsace dans cette histoire. Tout a commencé début 2014. Faisons un petit retour dans le temps. Les collectivités seront également incitées et invitées à se rapprocher. Les régions d'abord, dont le nombre peut aussi évoluer. Et pour l'instant, c'est rassurant. On ne parle simplement que d'une évolution du nombre, une ou deux fusions à la rigueur. Par rapport à aujourd'hui, je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Par contre, Manuel Valls va plus loin. Lui, il parle carrément de réduire de moitié le nombre de régions. Mais en l'absence de propositions après les élections départementales et régionales de mars 2015, le gouvernement proposera par la loi une nouvelle carte de région. Elle sera établie pour le 1er janvier 2017. Bon, il parle d'une réflexion inscrite sur le long terme avec une conclusion en 2017, donc à la rigueur, on a le temps de réfléchir à la question. Puis arriva quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. Il est 20h, tout de suite notre toute première estimation TNS Sofres Sopra. Vous la découvrez, le Front National aurait recueilli 25,4% des suffrages. Front National en tête, Parti Socialiste avec des scores historiquement bas. Le gouvernement socialiste veut alors montrer qu'il sait mener une réforme structurelle à son terme. Et pour ça, il choisit d'accélérer le calendrier de la réforme territoriale. Dès le 18 juin 2014, soit 3 ans avant la date prévue, une première carte de la France des régions est présentée par l'Élysée. Et les critiques ne tardent pas. Comme principale critique, on accuse le président de la République de l'avoir faite en un seul week-end avec quelques conseillers et sans en référer au président de région. En gros, de l'avoir fait sur un coin de table. Ça s'est tramé dans un très grand secret, ou du moins ça s'est tramé au sein d'un univers politique très étroit, donc je ne peux pas dire, moi je n'en ai eu que des échos vraiment parcellaires, mais je peux vous donner un exemple d'écho. Le lundi à midi, la région des Pays de la Loire était regroupée avec la région Centre. On faisait une grande Loire, si vous voulez, d'Orléans à Saint-Nazaire. Et à 7h du soir, la région des Pays de la Loire était mise avec le Poitou. Et on m'a assuré que c'était sûr, c'était acté, et on me demandait mon avis, qui a d'ailleurs été négatif. Et puis, à 8h, j'ai eu un coup de téléphone des gens des Pays de la Loire, avec qui je suis en relation depuis longtemps. Ils m'ont dit on vient d'apprendre qu'on restait seul, qu'on restait la région des Pays de la Loire. C'est donc une indication que ça s'est fait vraiment dans une précipitation. Le président de la région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, parle d'humiliation. Et la Picardie ne perd pas de temps. Dès le 20 juin, le Conseil régional de Picardie vote à l'unanimité une motion contre le rattachement de la région à la Champagne-Ardenne. La région Bretagne est déçue que le département de Loire-Atlantique ne lui revienne pas. La grande région rassemblant la région Centre, la région Limousin et la région Poitou-Charentes attire les foudres des politiques et des universitaires.
Le texte de loi passe alors au Sénat où il est examiné du 5 au 9 juillet 2014. UMP, communistes et radicaux de gauche s'entendent alors pour supprimer l'article 1 redéfinissant les limites des régions. Le texte, sans la carte, est alors adopté par 184 voix pour et 129 voix contre. La carte revient alors aux 22 régions initiales. La carte repasse alors à l'Assemblée nationale où le 10 juillet, elle est présentée avec un changement, le mariage du Limousin avec l'Auvergne, ce qui fait fleurir quelques sous-entendus au vu de la forme de la chose. C'est finalement cette carte à 13 régions qu'adoptent les députés le 18 juillet 2014. Les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais sont alors fusionnées, ce qui irrite considérablement Martine Aubry, maire de Lille, qui dénonce alors une aberration économique et sociale. La région Champagne-Ardenne est-elle fusionnée à la Lorraine et à l'Alsace pour former une énorme région Est, ce qui provoque la fureur des élus locaux alsaciens et des Alsaciens eux-mêmes. Quant à la Poitou-Charente, elle est rattachée aux régions Limousin et Aquitaine. Puis le texte repasse devant le Sénat, qui s'empare de la carte le 21 octobre 2014 et la redessine à sa manière. L'Alsace est détachée de la région Champagne-Ardenne-Lorraine, le Languedoc-Roussillon est détaché des Midi-Pyrénées et la région Centre voit son nom modifié en Centre-Val-de-Loire. Cette carte fait l'objet de critiques. Pour Claude Bartolone, cette carte n'est tout simplement pas sérieuse. Toujours est-il que cette carte repasse devant l'Assemblée nationale. La carte y fait à nouveau l'objet de débats. Les députés alsaciens se succèdent à la tribune le 18 novembre, Eric Stroman faisant même référence à un texte dont nous reparlerons. D'ailleurs, notre pays, la France, a signé la Charte européenne sur l'autonomie qui stipule, dans son article 5, relatif à la protection des limites territoriales des collectivités locales, que, je cite, pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum, là où la loi le permet. Je ferme les guillemets. Tandis que le député Antoine Herth propose un premier acronyme à la région que l'on impose à l'est de la France. Chamallow, Alka, dans le texte, ce serait actuellement Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, ce qui donnerait quelque chose du genre Hachelor. L'Assemblée nationale décide pourtant de revenir à la carte des 13 régions. Seul le nouveau nom de la région Centre est gardé et elle est votée par 277 voix pour et 253 voix contre. Après un ultime passage devant le Sénat qui rétablit évidemment la région Alsace et la région Languedoc-Roussillon, le texte de loi repasse devant l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste y rétablit la carte qu'il avait voulu à la base, c'est-à-dire celle aux 13 régions. Et la carte est finalement adoptée à 95 voix pour, 55 contre et 11 abstentions. Dit, ça fait pas beaucoup au niveau député, hein, sur 577, c'est à peu de choses près 28% pour une carte de telle importance. Je trouve ça un peu dommage. Le Premier ministre Manuel Valls semble, lui, par contre, tout à fait satisfait des résultats, comme le montre cette carte qui se trouve sur son compte Facebook. Avant, 22 régions, regardez, c'est triste, c'est gris, rien n'avance. Et après, 13 régions, oh, il y a de la couleur, on voit la France qui rayonne, c'est beau et c'est joyeux. Cela semblait pourtant moins évident pour les centaines de commentaires négatifs qui ont accompagné cette carte par la suite. Après ce volet législatif, nous allons maintenant passer au volet judiciaire, car comme l'a dit le député Stroman, sachez qu'après la bataille politique, nous mènerons une bataille judiciaire, d'abord devant le Conseil constitutionnel, on pourra l'évoquer plus tard dans la soirée, mais également devant les juridictions européennes. À partir de là, ça devient un petit peu trop technique pour moi, et c'est pour cela que j'ai demandé son aide au professeur Robert Herzog, professeur émérite de droit public à l'IEP de l'Université de Strasbourg. Elle a été contestée devant le Conseil constitutionnel qui a été saisi par des députés et des sénateurs. Et s'agissant de recours des sénateurs, il avait été principalement alimenté par le sénateur Reichardt à qui j'avais transmis un certain nombre d'arguments. Les deux principaux arguments étaient les suivants.
Le premier est que la législation française, depuis les origines, depuis le début du XIXe siècle, a toujours prévu qu'avant toute modification des limites d'une collectivité territoriale, il y aurait consultation de son conseil, voire même d'autres conseils, par exemple départementaux, ou en outre, des enquêtes et des études préalables. Et on pouvait par conséquent considérer qu'il y avait là un principe fondamental reconnu par les lois de la République, notamment la loi de 1871 sur les départements et la loi de 1884 sur les communes, mais il appartient au Conseil constitutionnel de constater cela. Il ne l'a pas fait, et il a tout simplement considéré que ceci n'existait pas, alors que je crois que véritablement cela fait partie de nos traditions politiques, même si on n'a pas voulu reconnaître là une loi de portée constitutionnelle. Le deuxième argument est que la libre administration est un principe inscrit dans la Constitution et qui doit être respecté par le législateur. Or, dans la libre administration, il n'y a pas seulement la liberté accordée aux élus, et il y a la liberté de s'auto-administrer accordée aux citoyens qui forment la communauté politique de la collectivité. C'est cette collectivité politique qui est modifiée par la modification des limites géographiques. Le gouvernement dans tous les pays peut faire ces modifications comme il veut, mais à condition de demander l'opinion du conseil représentatif de cette collectivité, voire de la population elle-même par référendum. Notre législation le prévoit et expressément pour les régions, et la Constitution permet de faire un référendum dans ce cas-là. Il y avait donc là un élément constitutif de libre administration qui aurait dû être respecté. Le Conseil constitutionnel a dit que non, la consultation des collectivités ou des citoyens n'est pas un élément fondamental de la libre administration. Voilà. Et il a rejeté dans sa décision du 15 janvier 2015. Alors que les régions se préparent aux élections, des recours sont déposés devant le Conseil d'État, la plus haute autorité juridique française, par diverses organisations. Un recours a été déposé par Robert Herzog et l'ancien ministre Daniel Eiffel. Là encore, je passe la parole à Monsieur Robert Herzog. Alors, pour saisir le Conseil d'État, il faut être en présence d'un acte administratif. En l'occurrence, le premier acte administratif pris par le gouvernement pour la mise en œuvre de la loi du 16 janvier sur la réforme régionale a été un décret convoquant les électeurs pour les élections régionales. Nous avons demandé l'annulation de ce décret au motif qu'il était pris sur la base d'une loi qui elle-même violait un traité international, en l'occurrence la Charte européenne de l'autonomie locale, qui est un traité qui a été signé à partir du 15 octobre 1985 dans le cadre du Conseil de l'Europe. La France a été l'un des premiers États à signer le 15 octobre 1985. Or, la Constitution dit que les traités ont une autorité supérieure à la loi. Et le juge administratif, comme d'ailleurs n'importe quel juge, peut vérifier si un acte pris sur la base d'une loi est ou non régulier du fait que cette loi est ou non conforme à un traité. La charte contient un article 5 qui dit expressément ceci. Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum, là où la loi le permet. Donc le texte est, comme l'a dit au Conseil d'État le rapporteur public, clair et limpide. Il faut une consultation et elle doit être préalable. En l'occurrence, il n'y a pas eu de telle consultation et la loi n'est donc pas conforme au traité. Et les textes d'application de cette loi doivent être déclarés nuls par le juge. Il avait plusieurs motifs possibles de rejeter nos recours. L'un qui avait été invoqué par le gouvernement et qui aurait eu quand même une sorte de consultation, il n'a pas
retenu, il n'en a même pas parlé parce que ce n'était pas crédible. Deuxième motif possible, le traité ne s'applique pas directement, ne peut pas être invoqué directement par des requérants, ça c'est une jurisprudence connue, mais en l'occurrence, et bien que le rapporteur public ait proposé que cela soit considéré comme tel, c'est-à-dire que le traité ne peut pas être d'application directe, le juge n'a pas considéré que le traité n'était pas d'application directe. Donc on allait, très naturellement, vers l'annulation. Mais le Conseil d'État a sorti, de je ne sais pas où, un nouveau principe qui lui a permis de rejeter le recours et de mettre la loi définitivement à l'abri de tout nouveau recours présenté par des particuliers ou par des collectivités territoriales en disant qu'un argument tiré de la du non-respect d'un traité qui porte sur la procédure législative, en l'occurrence, procédure législative, c'était la consultation des assemblées régionales, donc qu'une disposition qui porte sur la procédure législative ne peut pas être discutée devant le juge et que le juge ne vérifie par conséquent pas s'il y a eu ou non respect de cette disposition. En d'autres termes, et très clairement, le traité peut être invoqué, il est d'application directe, ses dispositions sont claires et limpides, il a été violé, parce que s'il avait été respecté, le juge aurait rejeté en disant « vous n'avez pas de motif de vous plaindre puisque le traité est respecté », mais on ne peut pas discuter le fait que la procédure qui a été suivie par le législateur n'est pas conforme à un traité. Ça, c'est tout à fait nouveau. Nous n'avons pas trouvé cela dans des décisions antérieures, j'en ai parlé avec des collègues, mais évidemment, c'est assez judicieux et même assez opportun pour qui veut mettre cette loi à l'abri. On a trouvé là un principe nouveau, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande avancée du droit. Bon d'accord, et dans ce cas, probablement que cela aura un retentissement à l'étranger, non ? Non. Non, parce que ça n'a pas eu de retentissement en France, ça n'en aura pas à l'étranger, ça aurait pu en avoir, et ça en aura peut-être un petit peu au Conseil de l'Europe, au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, qui avait envoyé au mois de mai une délégation pour vérifier justement comment et si la France respecte la Charte européenne de l'autonomie locale. Cette délégation aurait dû adopter et publier un rapport au mois d'octobre, puisqu'il y avait la réunion du Congrès à ce moment-là, mais sous la pression évidemment des élus français de gauche, ce rapport a été reporté au printemps prochain, à la session prochaine. Et par conséquent, tout cela va un peu s'enliser, va se perdre dans les méandres de la politique. Bon, on ne va pas se mentir, toutes ces étapes montrent un manque flagrant de démocratie. Mais peut-être qu'il en va de même dans d'autres pays européens. Eh bien ailleurs, disons, au moins dans les pays européens, et d'après ce que je crois savoir, les législations nationales sont conformes au traité, à la charte européenne, c'est-à-dire que l'on consulte les collectivités avant toute modification des limites territoriales. Consultation qui peut se faire de leur conseil ou de la population par référendum. Il faut d'ailleurs reconnaître que notre législation, dans son principe, est également conforme au traité, puisque le Code général des collectivités territoriales contient des articles qui exigent la consultation lorsqu'on modifie les limites d'une commune, d'un département ou d'une région. Ailleurs, on respecte les textes et ce qui est peut-être une particularité dans certains pays, c'est que l'on procède par référendum. Cela a été fait récemment en Suisse, où l'on a proposé de fusionner les deux cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, et le référendum a donné un résultat négatif, cela ne s'est pas fait. De la même manière, il avait été envisagé de fusionner le Land de Berlin et le Land de Brandebourg pour faire un grand Land, et là aussi, le résultat était négatif.
Donc le gouvernement français n'a pas voulu faire de consultation parce que j'imagine qu'il savait très bien quelle serait la réaction des populations et probablement de la plupart des conseils régionaux, même s'ils sont de la même majorité que le gouvernement. Et donc la violation de la charte a été ici tout à fait délibérée. Ce qu'on imagine, croit très difficilement dans les pays démocratiques qui nous entourent. La réforme des limites territoriales s'est donc faite en contradiction avec le droit européen et le droit français, avec des coups faits au droit français et à la démocratie. On ne peut pas dire que la France en sorte vraiment grandie. Bon, alors s'il a fallu en arriver à de telles extrémités pour que la carte soit adoptée, espérons au moins que cette carte en vaille la peine. Mais nous n'allons pas développer ça maintenant, nous allons développer ça dans la deuxième partie de ce documentaire.